Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment créer des pages de menu avec des liens. Il faut savoir que lorsque l'on a un blog qui se remplit au fur et à mesure des semaines, des mois, éventuellement des années, on se retrouve avec des centaines et des centaines d'articles que l'on retrouve dans des rubriques qui sont affichées ici. Et quand on va cliquer, par exemple, je vais cliquer sur rosier, sachant que des rosiers, il peut y avoir des centaines de variétés. Si j'ai fait 150 articles de rosier, on va être obligé de passer en revue toutes les fiches, tous les articles de rosier, passer aux pages suivantes, hein, il va y avoir peut-être quelques dizaines, pour éventuellement trouver le rosier que l'on cherche, ou pour visionner. En fin de compte, on n'a aucun repère et c'est une perte de temps. Et je puis vous dire, c'est que dans ce cas-là, le visiteur lâche prise en cours de route et il n'ira pas au bout de la rubrique, alors qu'il y a certainement des articles qui peuvent l'intéresser. Alors, qu'est-ce que c'est en fait ce que je propose? On va aller sur mon blog au fil de laine et moi je ne travaille que comme ça, hein. On va voir ce que c'est, hein. En fait, j'ai très très peu de liens ici. Enfin, j'en ai quelques-uns parce que j'ai quand même quelques centaines d'articles. On va aller par exemple sur bel endroit, enfin n'importe lequel, hein, bel endroit fleuri. Je clique ici. J'ai créé une page, on appelle ça une page simple, hein, dans laquelle j'ai mis tous mes articles. Hein. Alors quelqu'un arrive sur mon blog, il regarde les articles qu'il y a, tiens, Giverny, Claude Monet, on a l'information, on clique ici et on arrive directement sur l'article concerné. Donc pour moi, ce n'est pas un travail laborieux lorsque l'on le prévoit dès le départ. Alors il est certain que si vous avez un blog depuis des années et qui a 200, 300 articles, oui, il y a un petit peu de travail, bien que tout est possible, hein, donc nous allons voir un petit peu comment on opère. Alors, j'ai créé quelques articles. En coulisses, on va aller dans gérer les rubriques. J'ai créé quelques articles dans la rubrique semi. J'en ai créé 6 ou 7, 3, 6, 7, 8. Hein. Donc j'ai fait des petites fiches. Hein. Belle de jour, j'ai mis une photo, j'ai mis. Enfin bon, j'ai pas mis de texte. Hein. C'est uniquement pour créer des articles. Bien, alors. Pour le cas précis de créer une page de lien, là on va créer, on va pas créer, on va pas aller dans les rubriques, on va aller dans les pages simples. On va faire ajouter. Je vais lui donner un nom. Je vais par exemple mettre mes semis. Je fais OK. Et là je me retrouve avec la page habituelle d'édition. Dans cette page, je vais mettre tous les articles que j'ai créés concernant les semis. En l'occurrence, là, les 2, 4, 6, 8. Je vais les copier un à un. Alors, pour pas perdre de temps, je les ai mis un petit peu à côté. Et je vais faire un copier-coller. Je vais les coller comme ça ici. Donc là, je les ai alignés les uns au-dessus des autres. Alors là, il faut faire une petite présentation un petit peu plus sympathique. Il faut mettre une taille un petit peu plus conséquente. On va mettre des caractères gras, on peut mettre de la couleur, mais pour l'instant, on va en rester là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué, il faut faire un lien pour chacun des articles afin qu'on puisse y accéder. Alors, j'ai oublié de mettre d'ailleurs, j'ai rajouté après, peu importe, belle de jour, voilà. Non, c'est pas bon. Voilà, c'est fait. Alors, on va travailler avec les deux fenêtres. Donc la fenêtre dans contenu gérer les rubriques. Et donc là, on est sur ma fenêtre, pardon, d'édition.
en page simple qui s'appelle Mes semis. Alors de temps en temps, il est bon aussi d'enregistrer la page, hein, parce que s'il y a une coupure ou s'il y a quelque chose, on est obligé de tout recommencer. C'est bien de le faire de temps en temps. Alors une page simple, la différence entre une page simple et un article ou une rubrique, c'est qu'elle est simple, elle n'a rien dedans. Vous voyez, on ne voit pas son... On ne sait pas quand elle a été créée, il n'y a pas le pseudo, il n'y a pas... Elle n'est pas rattachée à une rubrique, il n'y a rien indiqué. Elle ne sera pas indiquée dans dernier article créé, donc c'est vraiment dans sa plus simple, c'est une feuille vierge sans rien, disons, hein. Donc on revient à notre page d'édition. Donc on va commencer pour le lien du premier article, Belle de jour. Alors ce que je fais, je vais travailler avec le fond d'écran et avec les deux fenêtres. Là, je vais sur Belle de jour. Je clique pour voir. En arrière-plan, j'ai Belle de jour. J'ai mon article Belle de jour. Je vais aller prendre en haut l'adresse URL. Donc, je clique une fois pour bleuir. Je fais clic droit, copier. Je viens sur cette fenêtre. J'active le bel de jour. Hein, donc je rends bleu. Je vais sur le petit lien ici, qui est éditer un lien. Donc on va l'agrandir, on verra mieux. Je clique ici. Je colle l'adresse URL. Donc elle est collée là-haut. Éventuellement, si je veux que cette page s'ouvre, l'article s'ouvre dans une nouvelle page, je clique sur Nouvelle fenêtre. Voilà. On va revenir en arrière. Voilà. Je vais faire Enregistrer. Et le lien est fait. Après, on peut changer éventuellement la taille, hein. Donc, si je clique sur Belle de jour ici, regardez, j'étais ici, j'ai cliqué sur Belle de jour et ça m'a ouvert une autre fenêtre. C'est pour ça que j'ai mis Nouvelle fenêtre. Alors ça, c'est un choix. On fait ou on ne fait pas, disons, hein. Donc le premier est fait, on va en faire un deuxième. Je vais donc sur le deuxième, c'est Cléome. C'est ici, je clique sur Voir. J'ai ma page Cléome qui est en dessous. Je copie. Je viens ici, Cléome, je vais sur le lien et je colle. Je ne vais pas mettre dans nouvelle page, on va laisser comme ça. Et j'enregistre et j'ai donc ma page qui est faite. Je vais vous laisser quelques secondes, je reviens, je vais faire les liens de toutes, comme ça ça évitera de perdre du temps. À tout de suite. Me revoilà, donc les liens sont faits sur tous mes articles. Je vais fermer cette fenêtre. Donc on a toujours possibilité de rééditer, hein, comme les articles, hein, ou les rubriques. On va fermer ça. Ça va faire un petit peu plus de place. On va ajouter le lien. Tiens, je vais le mettre sur le bandeau en haut. Je vais le mettre en haut. Donc cette page, je suis sur la page donc de lien de mes semis. Je prends l'adresse URL là-haut, je la copie. Je vais rajouter donc dans l'entête ce lien. Je vais donc dans Apparence, dans Menu de l'entête. Je fais lien externe, oui, je suis en train de réfléchir, lien externe, je donne un titre, donc mes semis, je mets l'adresse et je fais, non, je vais mettre ça après contact. Je fais enregistrer et là, on a rajouté semis. Bon, par contre, il y a toujours un problème de centrage. On va aller dans
apparence, modifier le thème. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. On va donc dans l'en-tête, on va dans menu. On va dans format, on va rétrécir la longueur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? La hauteur, qu'est-ce que je fais? C'est pas bon. Excusez-moi, la hauteur, c'est pas bon. Non, on retourne, je me suis trompé, autant pour moi. Dans menu, voilà, c'est ça, c'est la largeur de l'élément. Excusez-moi, donc 180, voilà, 180, ça passe. Je vais déplacer avec la souris. Voilà, ça me paraît bien. Donc voilà. Donc j'ai rajouté le lien, c'est-à-dire que ici, là je l'ai mis ici, on n'a plus besoin, mais enfin c'est pas bien grave, c'est à retirer après. Je clique sur mes semis et là je me retrouve avec mes liens de tous les articles concernant le semis. On veut cliquer sur y paumer, on a la feuille, l'article y paumer avec tout, hein, commentaire et autres. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour créer une page de menu. Alors on va quand même aller un petit peu plus loin, puisque vous êtes attentif, puisque vous êtes toujours là. On va aller donc sur mes menus et on va agrémenter un petit peu la présentation. Si on clique sur l'outil en haut à droite, on a plein écran, donc on a un petit peu plus de place. Voilà. Bien, on peut faire un tableau. Là, on a 2, 4, 6, 8. On va faire un tableau. Je ne vais pas en faire 8, je vais en faire 6. 6 ou 7, enfin peu importe. On va en faire 6. Je clique sur tableau. Je fais insérer un tableau et je vais en mettre. Là, autant pour moi, je me suis trompé. On recommence. Alors, il faut être surtout. Il est important. Là, on ne le voit pas ici. Il faut être sur expert. Hein. Parce que si on est sur normal ou sur simple, on n'a pas le tableau. Je ne me trompe pas, on n'a pas le tableau. Donc il faut bien être sur expert. Alors on revient ici, insérer un tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va en mettre 6. Voilà. Ah, le tableau, il n'est pas à la bonne place. Zut alors. On va recommencer. Je mets mon curseur en dessous. Et aussi, j'aurais pu le laisser en haut, c'est pas grave. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le tableau est ici. Alors, bien sûr, on voit pas grand-chose pour l'instant. Enfin, j'aurais pu ne rien mettre dedans. Donc, voilà. Donc, le tableau est ici. Alors, ce tableau, je voudrais le centrer. Alors, je positionne donc mon curseur à l'intérieur, peu importe l'endroit. Je retourne sur l'icône du tableau. Je clique sur la petite flèche, là, et je clique sur propriétés du tableau. Là, on peut lui donner une largeur, mais la largeur, on peut le rallonger après, c'est pas un problème. Ça, c'est pour l'intérieur. Alors, ça, je ne sais pas ce qu'il faut mettre, mais enfin, je vais mettre 10 à l'intérieur du tableau, de manière qu'il y ait un petit peu d'espace autour. On va mettre une bordure, on va mettre 2. On va aligner, on va centrer le tableau. On fait OK et le tableau est centré. Je vais donc faire plein écran encore. Donc le tableau est centré. Alors ce que j'ai fait, c'était c'était pour mettre un petit peu, enjoliver un petit peu les liens et mettre ça avec un encadrement. Donc voilà. Alors volontairement je n'ai pas mis la quantité de tableau suffisant. Il suffit, là il manque un tableau en dessous, hein. Il suffit de positionner le curseur en l'occurrence ici, de retourner sur tableau, de cliquer sur ligne et de insérer une ligne avant ou après. Là, en l'occurrence, c'est après. Donc, j'ai créé une ligne après.
je Belle de jour, je veux insérer, ou éventuellement Cléome, je veux insérer je vais rajouter demain une fiche d'une plante qui se situe en ordre alphabétique entre le B et Cléome, ben je fais insérer une colonne avant. Ah non, là je me suis trompé, j'ai cliqué dans parce que dans colonne, alors qu'on peut bien sûr on peut faire la même chose pour les colonnes, hein. Insérer une ligne avant. Donc voilà, on va annuler. On fait ce que l'on veut. On veut supprimer. Je positionne ici dans cette ligne. On veut supprimer cette ligne. Ligne. Effacer la ligne. Voilà. Donc on retourne ici. Je vais ligne mettre une ligne après. Je vais mettre une ligne après. Donc là, on fait un copier-coller ou éventuellement on glisse. Hein. On peut glisser directement en restant appuyé gauche. Voilà, là, je pense que j'ai fait deux. Il y a deux lignes, donc je reviens en arrière. Voilà. Alors vous avez vu que ce n'est pas toujours centré. Et si je fais centré, ça ne marchera pas. Eh oui, ça ne marche pas. Oui, je connais. Hein. Oui, je me suis fait avoir. En fin de compte, ce qu'il faut faire là, c'est tout sélectionner, retourner dans Tableau et aller dans Ligne et aller dans Propriétés de la ligne. Propriétés de la ligne, on fait Alignement et on fait Centrer. Voilà, et là, on a centré notre tableau. On va retourner là par contre, dans le tableau. Pas sur la ligne. Là, on va retourner dans les propriétés du tableau. On peut donc on a vu que en fait là ce que j'ai mis hein, le 10 c'est de manière si j'enlève je vais mettre 0, je pense que ça devrait être ça. Il risque de ne pas y avoir. Vous voyez, ça fait un petit peu moche quoi. Donc c'est bon d'avoir un petit peu d'espace propriétés du tableau. Donc on va remettre 10. 10. Si on va dans Avancer, on peut mettre une couleur pour la bordure. Alors là, par contre, il faut mettre le code hexadécimal. C'est ce que l'on avait mis pour faire la mise en page simple. J'en ai une en tête que j'avais mis pour le blog. C'était D6, D6, D6. Qu'est-ce que ça donne? Couleur de la bordure. Couleur de l'arrière-plan, on peut mettre là, j'ai en tête également une autre couleur, on va voir ce que ça donne. Si c'est moche, on l'enlève. 3, 4, 5, 6, voilà. C'est cette couleur-là. J'aurais dû faire plutôt le contraire. Enfin bon. Oui, on va faire le contraire. Bémol 6, 6, 6, 6, 6, 6. Non, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? D6, D6, ah oui, il y a un D en trop là. Allons. Voilà. Bien. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore quelque chose qui me dépasse. Créer le tableau. Oui, j'ai mis 100. Oh là là. Ah oui. Bien, donc voilà, on va faire ça. On va faire enregistrer. Ah, par contre, il y a quelque chose qui va pas trop. C'est pas, on voit pas de. La couleur n'a pas fonctionné. Tiens donc. Bon, écoutez, c'était pas prévu. Hein, de toute manière, on va pas rentrer dans le détail. Enfin, vous avez quand même vu la procédure pour faire des modifications au niveau d'un tableau. Alors, on va aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle plus. C'est une. Il y a une case en trop, c'est pas bien grave. On va faire autre chose. On va faire quelque chose de plus pointilleux. On va faire des liens. Où est-ce qu'il est mon curseur? Voilà, il est là-bas. On va faire des liens avec des photos. C'est-à-dire la photo de la plante.
Alors j'ai préparé bien sûr un petit peu avant. Je vais aller chercher sur mon ordinateur. Donc je clique sur Images. Je clique sur Parcourir. Je clique, donc c'est sur Clé Home. J'ai fait. Voilà. J'ai fait des images carrées. Je vais lui donner une toute petite taille pour faire une vignette. Je vais lui donner une taille de 150. Je fais Ajouter. On va refaire comme ça. Voilà. Je fais Ajouter. Bah tiens, l'adresse, elle est là, ça évite d'aller. Je vais ouvrir en arrière-plan la page Clé Home pour aller chercher l'adresse URL là-haut. Comme on a fait précédemment, je fais copier. Donc je fais la même chose que ce que j'ai fait précédemment. J'active la photo. Je clique sur le éditer un lien sur la petite chaîne. Alors là, par contre, c'est un lien de la photo, donc c'est pas bon, je le retire. Je le remplace par le lien que je viens de mettre. Voilà, on va faire enregistrer. Et donc voilà une autre façon de présenter des liens de menu, c'est-à-dire que on peut mettre le nom aussi en dessous, hein. J'active. Avec la flèche du clavier, je fais droit. Donc je suis juste à droite, on ne voit pas. Je fais majuscule. Entrée de manière à être juste, non, encore une fois, juste en dessous, et je mets Clé Home. Voilà, je fais enregistrer, et là, voilà une autre façon. Donc, soit on va sur la page Clé Home comme ça, ou soit on va sur la page Clé Home comme ça. Donc voilà un petit peu les façons d'agrémenter. Bon, après, on peut décorer cette page, on peut faire ce que l'on veut, disons, hein. Je vais vous abandonner comme précédemment, puis je vais mettre quelques photos pour agrémenter cette page de lien. On se retrouve tout de suite. Me voilà revenu. Donc j'ai fait mes vignettes que j'ai rétrécies un petit peu, hein. J'avais commencé en faisant Cléum, rappelez-vous. Et je lui avais donné la taille de 150, là j'ai mis 100. Alors ce qui est important, c'est de faire des vignettes au carré. Si vous faites des vignettes rectangulaires, malheureusement vos photos ne seront peut-être pas, n'auront pas toujours la même proportion de longueur par rapport à la hauteur, et vous risquez d'avoir des décalages. Donc ce serait très moche d'avoir des photos de hauteur ou de longueur différentes. Donc il faut pour cela les retoucher de manière qu'elles aient un format carré. Alors si vous ne savez pas, peut-être qu'on verra un jour si je me décide à faire des vidéos sur Photofiltre. Mais bon, vous devez trouver sur Internet, si vous ne savez pas, les solutions pour réaliser une photo de format, en l'occurrence carré. Donc voilà, c'est pratiquement terminé. Donc vous voyez qu'au niveau aspect, il n'y a pas photo, hein, d'avoir une page comme ça, un lien ici. Hein, donc on arrive sur le forum, on va dans mes semis. Bon, j'ai laissé volontairement les deux, hein, vous faites un choix entre l'un ou l'autre. J'ai retiré en fait tout à l'heure j'avais commencé à mettre un nom, le nom de la fiche, et je l'ai retiré parce que vaut mieux faire un cadre, parce que c'est pas bien centré si on veut rajouter du texte. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire un tableau, encore comme tout à l'heure, un tableau 1, 2, 3, 4, 5, avec deux lignes, et intégrer dedans sa photo. Non, un tableau avec quatre lignes. Un tableau avec, oui, cinq colonnes et quatre lignes. Une ligne pour la photo, la vignette du premier, une deuxième ligne pour le nom, une troisième ligne pour la deuxième ligne de vignette, et une quatrième ligne pour le texte de la deuxième ligne de vignette. Alors, c'est pas toujours facile de gérer les tableaux, hein. Parfois, ça se décale et tout, et c'est parfois un petit peu astreignant. Là, je ne l'ai pas fait. Alors attention, hein, donc lorsque vous faites, vous allez chercher sur votre ordinateur une vignette. La vignette, on lui attribue une adresse URL.
C'est-à-dire que, et justement là c'est bien le cas, là j'ai fait que les deux premiers, hein. Si je clique ici sur la belle de jour, on arrive bien sur ma fiche, j'ai fait le lien pour aller sur la fiche belle de jour. La clé home c'est pareil, j'ai bien la fiche clé home, hein. À savoir que si je... Non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Si je fais éditer, si je fais éditer et que je sélectionne la fiche clé home, je vais sur le sur donc sur le lien, j'ai donc mon adresse de ma fiche clé home, on est d'accord, hein? Mais et si je vais, pardon, c'était ici, mais c'est pareil. Si je vais ici, donc j'ai mon adresse de ma fiche clé home. Mais si je vais sur, là, j'ai pas fait le lien sur l'article. Là, si je clique ici, je vais toujours sur la chaîne. J'ai une adresse. J'ai une adresse. On se dit, tiens, bah, en fin de compte, mes fiches, elles sont faites. Non, elles sont pas faites. En fait, ce qui se passe, c'est que là, pour le Cosmos, on a l'adresse URL de la photo. Donc, hein, il faut. Je vais prendre Cosmos en arrière-plan pour prendre l'adresse URL. Donc, il faut donc sélectionner Cosmos, supprimer. Vous voyez, vous voyez que l'adresse, vous visionnez un petit peu ce qu'il y a ici. Je vais mettre l'autre à la place. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même. Donc là, je mets bien le lien de l'adresse URL de mon article. Et là, quand on va cliquer, on n'a plus la photo. Et là, on arrive sur l'article. Tiens, j'ai pas mis de photo dans Cosmos, mais c'est pas bien grave, disons. Donc voilà un petit peu, ben on a fait, je pense on a fait le tour. J'insiste sur ce point, c'est vraiment, donc vous avez vu aussi que j'ai fait un petit peu de, j'ai mis un peu de texte, on peut mettre une image, un gif animé, on peut faire ce que l'on veut pour agrémenter cette page, mais croyez-moi, c'est vraiment ça rehausse un petit peu votre blog et au moins là vos visiteurs ils n'ont pas à patauger d'aller voir une ribambelle d'articles les uns au-dessus des autres pour essayer de trouver celui qu'ils veulent. Ils ont tout d'aligné donc sur place. Donc voilà. Ben, j'espère que cette leçon vous a plu. En tout cas, moi c'est quelque chose qui me plaît parce que je ne travaille que comme ça sur mes blogs. Voilà, donc à la prochaine, au revoir.